Bonsoir, bienvenue sur France 3 Sud Aquitaine. Au sommaire de ce journal, nous parlerons du Tour de France 2015 en Béarn, puisque Christian Prudhomme et Bernard Hinault étaient en Béarn aujourd'hui. Également dans ce journal, nous reviendrons sur la construction d'une nouvelle unité de traitement de l'eau de la ville de Pau. Mais tout d'abord, retour sur le titre de champion de France de Pro D2 de la section paloise hier au Hameau. Reportage Nora Genet, Benoît Bracco. La section paloise championne de France de Pro D2, alors oui, le bonheur était au rendez-vous. C'est Jean Bouilloux, le capitaine, qui va recevoir le fameux bouclier. Et c'est ce bouclier du titre que les 12 000 spectateurs sont venus voir hier au stade du Hameau. Des supporters évidemment heureux. Tous défileront à Pau avec le bouclier jeudi soir. Le prochain match de la section, ce sera dimanche à Albi. Une compagnie internationale de danse contemporaine de Marseille était en résidence en Béarn, l'occasion de découvrir son nouveau spectacle. Reportage Nora Genet. L'artiste palois Moz a graffé le titre de champion de France de Pro D2 de la section